test, donc c'est 8 radioactifs en 30 série SPL, branchés sur un 8 kg ground zero bien sûr. Il y a 3 batteries shuriken de 120 ampères pour alimenter donc l'amplificateur. Un kit éclaté medium kickback sur ground zero, donc 2 medium en 16 avec les tweeters SQ sur le tableau de bord. Donc, c'est une installation sur mesure qui a été faite. Donc un autoradio alpine, bien sûr. Allez, on va faire un petit test. Left the club tipsy. Donc on cherche plutôt de la fiabilité pour les coups de tous les jours que à faire du score au maximum de pression possible du moins dans le véhicule. Voilà, c'est un véhicule qui le client écoutera tous les jours, donc ça sert à rien d'aller chercher le maximum de puissance pour ce type d'installation. Le but c'est que pendant une heure et demie, deux heures, ça chauffe pas, que les sub tournent parfaitement. Voilà, tout simplement. Merci à vous en tout cas, passez une bonne journée, au revoir. Allez, on va faire une petite mesure acoustique donc pour savoir déjà la fréquence que j'ai déjà passée et pour savoir le score du coup que ça fait. Donc ce test se fera donc la porte ouverte et après je referai un test porte fermée pour regarder. Allez, c'est parti. Donc moi ma fréquence elle est à 51 Hz, d'accord, sur ce qui sont. Alors voilà, on va se mettre 51, voilà. Donc 154-33 à 51 Hz. J'ai aussi un pic sur plus bas en fréquence, vers les 29 Hz. Donc on va refaire un test pour regarder. Je vais prendre juste une photo. Hop. Voilà. Hop. J'avais un pic un peu plus bas. On va se remettre à 28 pour regarder.
musique à 30 Hz. Donc 149,24. Voilà. Donc avec un 8 kg. Bon, après le client, lui, il écoute plutôt des musiques type trance, techno, électro. Donc c'était plus judicieux d'accorder un caisson à 50 Hz qu'un caisson accordé à 30 Hz. Mais bon, la plage d'utilisation est assez vaste, donc on prendra pas du tout de risque si sur un morceau il y a une glissade qui descend vers les 30 Hz. Il n'y aura pas de soucis sur les sub parce qu'apparemment il y a une très très bonne retenue sur fréquence. Voilà, merci à tous, au revoir.